Faut pas être terrible, que passer là. Pourquoi il n'y a pas eu de combat à partir de Pèlerin Sec? Pourquoi trois policiers ont-ils été livrés, placés sur la route? Ils ont dit que c'est pour tirer les téléphones pour bas information. Donc, pour cet monde, ça va qu'être. Pour qu'il n'y ait pas de communication entre policiers qui n'ont pas assuré la sécurité, quand le président avec base là. Contre radio communication. Monsieur, pour qui ça pas un coup de zam qui tire? Pas un policier qui tire. USGPN gagne 497 policiers. Il y a 88 qui n'ont pas fait. Il y a un parti qui n'a pas sécurité qui est privé. Il y a un autre parti qui n'a pas sécurité qui est Michel Martelly. Deux présidents. Il y a 100 agents qui ont un détachement. Il y aurait Léo Giger. Nous avons dit Giger, monsieur. Alphonse-Titan, Bahonticom, Alphonse-Titan, Bahonticom. Business. Chaque soir, supposé gagner entre 15 et 20 USP. Joue ça, tu gagnes 11 qui étaient présents. Gagne 8 agents. 4 qui étaient de là, gagne 6. Gagne 10 USP qui étaient de là, tu gagnes 7. Tu gagnes 24 mounes seulement. Qui était président. Et attaque a fait à environ 26-28 mois. Maintenant, qui te m'explique? Négocier un énergie. Pas oublier, nèg yo gagne un commando. Monsieur, n'a fait commentaire. Depuis que fait ça, ou anade dim ça, depuis que fait commentaire, m'a perdu fil. Pas oublier, nèg armé yo, yo passe 2 heures sans que yo pas attaqué. Suis-moi bien, là, l'information mouria. Eh ben, yo venez le mourir, non? Information pour Valo mourir, Marco, Campano, Alten, mouria. Ok? Vous passez 2 heures sans que vous pas attaquer Negio. Dans la tête commando à un colonel, il y a certains qui décident de bataille, il y a l'autre qui dit pas de bataille. Et il y a l'autre groupe qui a l'ambassade de Taïwan. Courir, ils se séparent. Negio dit il y a un informant de DEA, il y a un travail pour FBI. Vincent pour DEA et Solage pour FBI. Et CNN, il y a un homme, a posé question à un responsable FBI. Il n'y a pas voulu information. Il a posé DEA question et DEA dit que eux-mêmes, ils ont créé des rapports avec une négo qui ont travaillé. Monsieur, attendez bien, ça veut dire. Selon information que médias étrangers baillent, il y a une négo relais département d'État. Une négo prend le département d'État. Et ici, pendant les souterrains à Pétionville, il y aurait les gens qui disent que les gens pas tué les gens parce que les gens veulent négocier. Tu me souviens pas? Je ne sais pas, monsieur. Je dis, tu me souviens, sous place, sous pendant les gens là,
il y a un rapport avec Gotet aux États-Unis. Vous comprenez qui travaille peut-être pour les Américains, qui dit que mais pas tirer, pas tuer parce que vous venez négocier. Je dis, il y a une tête. Négocier après une tête. Gayoun de Nego Karete, li bay nou tout leader politique que yo te konni rencontre ici avant attaque là. Semble konventon te gon contrat li même avec plusieurs gros structures de sécurité qui lié tout à Nego. Colombien sa yo. C'est des nègres qui prennent des formations dans un gros pays pour batailler contre les gens qui ont des drogues, etc. Ce n'est pas des nègres petits qui te viennent là. Et ils reconnaissent que les nègres, c'est des nègres solides et terribles que oui. Et ils ont l'air prendre formation tout dans le cadre de coopération que tu as entre les États-Unis et la Colombie. Ils ont dit dans le journal. Nous t'en ça, monsieur. Président colombien dit, il y a 8 nègres qui te connaissent dans les nègres qui ont assassiné le président. Mm-hmm. Ok. Propriétaire CTUA, Antonio Entriago, monsieur basé aux États-Unis, jusqu'à présent, il n'y a pas arrêté, mais nous ne pouvons pas ça qui a passé. Une institution qui bat un cob, 865 000 dollars US. World Capital. L'agence a été baissée de Hull, comme une forme de financement, ticket avion, per diem, ok. Il a été baissé de pour entrer. Mais ça sont des cob petit. Antonio Santiago. Gen des liens avec le président actuel en Colombie. Hein? Ivan Duque. Jet privé que nèg yo utilisé pour arriver en Haïti. C'est jet privé ou nèg le Gonzalo Castillo. C'est un ancien candidat à la présidence de la République dominicaine. Monsieur sont racistes que monsieur. Et qu'on parti dans le mercenaire passé sous frontière. Il est passé sous route, entré sous frontière. Président Claude Joseph fait appel à FBI pour venir résoudre le problème. Mais la question, c'est qui a financé cette opération? Est-ce que ce n'est pas parce que je trouve information qui fait bah, ça passer, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas que monde qui connaît ça, m'a dit là. Donc, ça qui passe aux États-Unis, hein? Je viens sur lui. Je ne vais pas dernière fois. Je dois avoir l'autre. Bon, je prends. Ça veut dire que je dois pas de arriver. N'importe qui le. Laisse ça, on dit, je dis ça. Moi, j'ai peur pour ça. C'est journaliste, je vais me faire information. Même si je vais avoir information, je vais me faire. Je me dis, je qui passe. Je vais me dire. Municipe. Il a joué journaliste. Et ça fait même pas besoin de parler. Tout le monde sur les information. Pour qui ça n'a pas dit Miami Herald, Terele, un homme politique ici, lui poser la question pour demander est-ce que le gars a rapport avec ça, non? Tout le monde peut pour dire ça. Il y a peut-être un bourré moi-même qui me dit. Allez, moun sa te rencontre avec ça, non? Et puis il répond bien amiral, oui, nous rencontre avec lui. Bah, M. Tabdio, comme moi, son moun fou, m'a t'occuper. Mon leader politique, oui. Ok. Donc, c'est l'acte 1. Question, c'est qui a financé? Léon Charles.
selon source que me fait confiance. Document à l'appui. Bon, si on est bleu, vient pour ça. Bon, si on est bleu, on met vient pour ça. On met vient pour ça parce que elle est mission, on met vient pour ça. Un jour soir, à 11h30, Léon Jean tape à la président. Léon Charles relais civil à 1h30. 1h20 ou 1h30. Ou un mot dans sa veine parce que ça a plus important. Le relais civil, il dit président à Maison Bako. Il n'y a pas de bonne information, ça. C'est moi qui viens gagner. Et civil tremblant. Oui, tremblant, hein. Maison Bako, Bako. Mais on nous suit bien, ça m'a dit. Après, elle finit par la civile, selon le dossier que j'ai, Léon Charles, lui, elle est où n'est qu'il y a les DDO. Mais on nous tendait, ça m'a dit. Léon Charles, lui, elle est DDO. Et lui dit DDO. Lui, elle est Dimitri. Voilà ce qu'on comprend. Comment nous là? Directeur général la relais DDO, elle dit DDO, relais Dimitri Era. Et puis Léon Charles le soir, il dit vina blende. Mes nouvelles. Les pas raison. Vle tout bon engage en bataille. Sérieux? Gonne qui dit, bah, ils ont dit, il va rentrer. N'a cherché contre moun ça. Il ne va pas l'accuser moi-même. Et c'est Léon Charles qui baille, par raison, l'autre qui dit par raison, prends soin pour mesdames. Nan. Et c'est depuis les conversations ça. N'est-ce pas le route en bas? Parce que là, il a jamais arrivé. Route là, t'es guettant, barré. Et les nègres descendent. Route barré, ils ont porte-voix. Ils ont dit, dis. Et Léon Charles répond. Pas de. Comme ça. Vous comprenez? Pas de sa pièce là. Pas de faire 10 pièces là. Mais Kouk pral tuer Koukoua. Gonne qui vient contre Léon Charles. Li di Léon, asayen ou vle négocier. Ou nèg wi? Nou troupe ayisyen nan ki vini, ki di asayen ou vle négocier. Léon refuse pran telefòn nan. Et depuis de ça, Léon commence à comprendre et l'ap gade sou côté. Et Léon commence à déplacer. Beaucoup de nègres ça yo parce que yo vin automatiquement par être suspect. Et Léon perd du confiance même là. Léon barre route là. DCPJ arrivé. Léon fait mettre blindé, soit barré. Et ça qui dérange plus, c'est route là que Léon fait barrer. Parce que nous avons pour vivre quoi? Pour aller tranquillement. Flash! Dernière erreur. De Gaulle! Qu'est-ce qui se passe actuellement? Là, quand je m'en parle, monsieur, vous avez remarqué que je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Actuellement, la police judiciaire a suffisamment d'éléments pour dire que Madame Koch était la personne à placer, à installer au Palais National comme président provisoire. Selon les informations qui venaient de sous 10 fois, Madame Koch. L'idée première,
c'était de procéder à l'arrestation du président. Menel n'a pas l'air. Il dit qu'il va juger et installer Mme Kok. C'est ça qu'il va comme information. Attention, il m'a dit qu'il va comme information. Pour moi, il va venir dimanche. Flash. Dernière heure. Il prend Colombo. Il y a nos résidences avec eux. Et puis, quand on me regarde, on dit oui, nous te vînons là dans la réunion. Kay qui est? C'est Kay Madame Kok. Yo, pas qui s'y sonne Kay là? Madame Kok, pas là, Kay la vide. Côté ma parle avec nous. Sans objet, rien du tout. Selon les informations que la police disposait, FBI, DCPJ, tout le monde. Il y a une réunion fait avec Sano, Badjo, John Joseph Joel et Dodoff. Et c'est Badjo qui montait l'opération. Ils ont décidé à la dernière minute. Pour tuer le président Jovenel Moïse, victime d'un complot. Pendant l'opération, aïe. Dit c'est Colombien seulement, et vous êtes arrivé pour ça, vous dire aussi. Pas de haïtien, négo, ouais, pas ça. Lors de cette opération, il y a eu des policiers actifs en première ligne qui n'étaient pas dans le président. Il y a eu deux naïos, il y a deux autres qui sont sauvés. Le travail aujourd'hui, c'est de trouver la chaîne de financement. FBI est là, je crois que FBI a besoin de ça. Il faut retrouver également la chaîne politique. Le monde entier est en train de nous regarder que mon président a qu'un nom qui a tué. Plan, tu es en trois parties. Nous allons entrer d'abord pour sécuriser. Ensuite, nous allons monter l'opération pour arrêter le président Menel dans le palais. Le président finit de remettre le pouvoir, il t'a fusillé Jovenel quand même. C'est ça, il t'a gagné comme plan. Maintenant, connexion financière là, c'est libre pour nous trouver. Vous avez remarqué que moi, Gary Pierre-Brochal, je n'ai pas parlé d'oligarques corrompus. Envoyer les oligarques corrompus, les politiciens, etc. Mais acte 1 de l'assassinat de Jovenel. Comme si on est monde de comprendre, ou pas dit Saint-Tel, à qui preuve? Moi, je crois. Il y a des hommes politiques qui sont sur le terrain et qui avaient rencontré ça, non? Faut que la justice parle avec eux. Et deuxièmement, il faut donner des preuves. Claire, flagrante, sur l'implication de Mme Kok. Il ne faut pas dire seulement avec un dossier que Mme Kok a rencontré. Des preuves claires. J'exige une conférence de presse du haut état-major de la police nationale parce que l'affaire de Mme Kok ne peut pas être une affaire qui était en termes de rumeur. Jovenel Moïse a des ennemis croisés. Jovenel Moïse a été victime, assassiné par des ennemis. Des ennemis de Jovenel Moïse. Mais si je faisais de la politique, ou bien si j'étais membre d'un parti, on a dit
a été assassiné par les ennemis de la nation. Mais il y a eu des Haïtiens qui ont participé à cet assassinat. Et il y a également la main étrangère. Nous ne pouvons jamais songer. Walter a plus ou moins songé. Val, nous t'ai dit quand même, il y a une possibilité dans ce pays pour que quelqu'un qui n'a pas perdu du pouvoir, c'est si Jovenel tombe avant, mais le mourir avant. Nous sommes Walter. Il a dit ça. Mais vous avez entendu des noms cités. Je cite un paquet de noms. Donc, je ne peux pas retirer personne dans le complot assassinat. Je ne peux pas retirer personne. Je ne peux pas retirer personne. Non. Je ne peux pas impliquer de près comme de loin dans l'assassinat. Mais ça crive, c'est quand même bizarre. Pas beaucoup de zame. Mais on a dit qu'on avait présenté un mandat à Réval. Mais c'est le même mandat de Petit Bois. Comme le là, peut-être trois petits pour premier coup d'état raté. Ceux qui disaient que c'était un coup monté du régime en place. Parce qu'on voulait, ou ils devaient attaquer l'opposition, bagarre, etc. Ils ont dit ça. Après l'assassinat de Jovenel, par exemple, on a dit c'était un coup monté. Donc Jovenel a été assassiné. Et je regarde avec tristesse. Les gens qui ont dit, Martine complice parce qu'elle était de mourir. Monsieur. Martine était de. Si Martine est impliquée, FBI après ça. Ok. Pour l'heure, je crois que l'acte 1, il prend fin, même mon doute sérieux. Jusqu'à ce que il y ait un résultat. Résultat. Un, si vous c'est monsieur Intel. Deux, monsieur Intel. Trois, monsieur Intel. Si monsieur Intel, ça, pral, fait des choucages, couper tête boule caille, l'affaire de Jovenel Moïse sera une affaire classée. Jovenel pape joint justice depuis mon ou gain en tête. C'est vous-même qui financez